mes amis turfistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquillou. Donc, on va faire ce débriefing du quintet du jour. L'arrivée, c'était ce 14 Prince Hamlet. Voilà. Deuxième position, c'était ce 10. Où il est ce 10? Ben, Tour Romance. Après, il y avait ce 12 Milfield, le favori. Quatrième position, ce 6 Dark American. Et ce 7, Rimini. Donc nous, dans notre prono, eh ben, il nous manque les deux premiers. Sinon, on avait ce 12, 6 et 7. Voilà. Mais il nous manquait ce 14 et 10, les amis. Voilà. Pour demain, ça ne sera pas encore un quintet facile. C'est un quintet qui va se dérouler à Compiègne, les amis. Sur les distances des 2000 mètres. Au total, 14 partants. Des chevaux de 3 ans qui n'ont pas beaucoup couru, donc c'est pour ça, hein, ça sera encore un quintet passe un peu difficile. Ça sera le prix du château de Compiègne. Voilà, petit handicap hein, de chevaux de 3 ans, hein, mâle, hongre, femelle. Voilà, donc nous c'est parti pour notre pronostic. Et on va commencer avec nos deux bases. Et je vais commencer par une petite surprise. Je vais mettre ce 14, Will Butch. Will Butch me plaît beaucoup. Portera le plus petit poids de la course, numéro 4 derrière les stalles. Voilà. Moi j'aime bien parce qu'il peut créer une belle petite surprise. J'ai vu qu'il a déjà couru contre un certain Lionel. Donc rien que sur cette valeur-là, je pense capable de bien faire demain ce 14 Will Butch. Deuxième base, ce sera ce 10 Chris Salsa avec voilà, Stéphane Pasquier à la monte. Il y aura une belle petite cote aussi. Donc voilà mes deux bases, 14-10. Derrière mon outsider, je mets ce 2, Terre de France. Habitué à courir en ce moment déjà des petits quintés en handicap. Voilà, numéro 1 derrière les stalles. Je pense qu'il peut très bien faire dans solo. Après, je mets ce 6, Woo City. Avec Picon. Il est déjà placé de quinté lui aussi, donc faire attention. Après, je vais mettre ce 3, Cameron, en forme. Il me plaît beaucoup. Et je vais finir par ce 5, Matchway, avec deux muraux. Voilà, donc en ce moment, deux muraux, il est en forme, hein, comme aujourd'hui, hein, deux muraux, ce 12. Voilà. Donc, mes deux bases, 14 et 10. Et derrière, je vais mettre ce 2, 6, 3, 5, les amis. Mon regret, ça sera ce 11, Pretty Boy. Voilà. Après, mon chocolat d'aujourd'hui, ben, j'avais dit Darwin Mazza, je crois qu'il finit le 5e, hein, finit loin. Voilà, j'hésitais entre lui et Domino Dream avec Yule Bourgeois, ben, j'aurais dû rester sur ma première pensée. Je vais chercher un petit peu de cote, mais c'est dommage, c'est comme ça. Donc c'est du 9 sur 15 en choco. Demain, j'ai un cheval qu'on a déjà pris en choco, qui nous a fait déjà gagner. Ce sera à la Réunion 4 sur le podium de Caen, course 4, une belle petite course. Et je vais mettre ce 14 Elite de Giel qui retrouve Mathieu Abrivard, son driver préféré. Voilà, là ça fait déjà 2-3 fois qu'il ne fait plus rien. Hop, on le remet Mathieu Abrivard pour cette course là, fermé à 230 000 euros, je crois, ou 200, ouais. Bien placé au gain. Il y a des très bons lots, il y a des très bons chevaux dans cette course-là. Mais bon, vu qu'elle a couru déjà cet hiver à Vincennes et déjà cet été, je pense qu'elle peut déjà au moins arracher une bonne petite place hein, dans cette course-là. Aura une belle petite cote, peut-être aux alentours de 6 ou 7 contre 1. Voilà les amis, pour demain, Elite de Giel. Voilà, moi comme d'habitude, ben, je vous dis bonne chance, bon pronostic, à demain. Adeus.